derrière mes yeux. Je suis un légume, un grabataire et je n'y vois que du peu. Un jour ça va, le lendemain c'est reparti comme le cancer qui revient après la chimio du mercredi. J'ai eu ça beau, maintenant il est aussi pâle qu'une pastèque qui n'a plus d'eau. Je garde la poire, les autres pas. Je vise l'exploit, tu me rassois. Par contre, il va falloir que je mette cette valise. Elle est trop lourde pour moi. Il va falloir que je trouve quelqu'un pour m'aider. J'adore ce moment du spectacle. Il y a tout le monde qui est là, soit en train de refaire son lacet, en train de regarder sur son portable, c'est bon, il est passé, il me voit pas. Mais tu vas venir avec moi, toi mon grand. Oh la violine. On s'appelle pas, hein. Alors vous allez m'aider à mettre les valises. On va commencer par celle-là et on va faire attention à la caméra qui est là. Alors, viens ma main nue, tu vas me tenir là, hein, et parce que je peux pas avancer là parce que sinon ça tombe. Et après tu me tires, hein, d'accord. Alors allez-y, passez-moi les gars au fur et à mesure tout ça. Et puis à chaque fois qu'on met une valise dedans, vous faites olé. Alors, on va directement tout le truc. Alors, on va gagner du temps. Vous êtes prêts? Au moins, ça nous évitera les odeurs. Pour les mettre dans vos yeux. Bon, excusez-moi madame, mais si vous voulez bien monter dans la voiture, car sinon on va pas repartir. Tiens.
je t'ai préparé un papier, mais s'il te plaît, tu parles fort et distinctement. Tu lis ce qui est écrit en rouge. Parlez dans mon micro. Et oui, tu peux parler dans la sucette. Oh mon Dieu. Donc ils se ramènent à l'école de ski et ils disent « Bonjour, nous aimerions avoir le même moniteur que l'année précédente, s'il vous plaît. » Bien sûr, et vous connaissez son nom ? Ah, pas son nom de famille, mais il s'appelle Michel. Le problème, c'est que j'en ai plusieurs, des Michel. Il n'a pas un signe particulier ? Alors, les deux belges réfléchissent et l'un d'eux chuchote. Ah, pour sûr qu'il a un signe particulier ! Il a deux anus ! Pardon, vous en êtes sûr ? Eh bien, on ne les a pas vus, mais à chaque fois qu'il croisait un collègue, l'autre lui demandait toujours « Alors, tu t'en sors avec tes deux trous du cul ?» Non mais moi, c'est mon mannequin vintage, je préférais ça. Ah non mais ça va pas se passer comme ça, vous allez voir, moi je vais intervenir. Hein. Alors, appel vocal, appel maman. Aucun résultat à maman. Ben, comment ça se fait? Ah, oh, c'est bête, c'est parce que j'ai enregistré à son prénom. Mais j'ai recommencé, attends. Alors, appel vocal, appel Chantal. Aucun résultat à Chantal. Non mais, j'ai pas dit Chantal, j'ai dit Chantal. C'est pas possible, j'ai carrément composé son numéro de téléphone parce que ça marche jamais ce truc là. Non mais vous achetez ça un bras et puis bah, j'ai l'impression des fois qu'il reconnaît pas trop ma voix mais... Mais là, je te parle de la plante. Et quelle plante? Le gnafal à pied de lion, l'étoile d'argent, l'étoile des glaciers. Je te parle de... L'Edelweiss. Oh, oh, mon Edelweiss. Vous êtes là pour le casting du dîner de con, non? Pardon? Non, non, je plaisante. Et sinon, vous voulez manger quelque chose ou vous préférez installer vos affaires? Non, ça va, j'ai pas trop faim. Je préfère aller installer mes affaires là-haut. Okay. Mais vous voulez que je vous présente mon herbier? Non, non, ça va aller, monsieur Pignon. Suivez-moi. Cool. Oh d'ailleurs, j'ai en parlant de manger, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que font un vieux et une vieille avant de faire l'amour? Ben non. Ils cassent la croûte. Ben, on va pas s'ennuyer. Oh. Bonjour, il n'y a pas quelqu'un? Bonjour. Oh, vous avez un problème. Eh? Un problème? Que vous marchez lentement. Ah non, 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 mais ça c'est rien, ça c'est les coquilles d'œufs qui sont sorties. Les coquilles d'œufs, c'est quoi les coquilles d'œufs? Eh ben les œufs, les... T-
10 eggs in 5 minutes? Ce n'est pas la possible! Ah, mais si, c'est possible avec la carte kiwi! La kiwi? Oh, I think that is speak about the fruit. Le non, mais je vais vous appeler ma femme, la professionnelle des œufs, justement, hein? Ma poule! Oh my god! What a strange house! Ma poule! Oui! Ouais, tu as des clientes qui sont arrivées! Des italiennes, je crois! Bon, et Frédéric, elle arrive, hein? Et moi, je vous laisse, je vais pondre la deuxième tournée! Je vais aux toilettes! C'est écrit la cuisine! The kitchen! Ah oui, non, mais ça c'est normal, parce que comme ça, toutes les odeurs se mélangent, les œufs, le fromage, les toilettes. Ça évite de mettre du pchit, vous comprenez? Oh my god! C'est quoi un triangle avec du vert? Ben je sais pas, ben un triangle vert! Et un rond avec du jaune? Ben un rond jaune! Oh, ben tu la connaissais? Bonjour, Frédéric Tard, propriétaire du chalet. Bonjour, nous sommes les sœurs Ingrid and Kaylee Valentine. Nous avons acheté la semaine pour la ski and... excusez mon français très moyen, but what a French word for twins? Jumelles! Yes, nous sommes jumelles. No, nous sommes jumelles. Non, vous êtes des jumelles nonnes. Peut-être. Non, you, bonne sœur. Oh yes, nous bonnes sœurs jumelles. Oh, elles sont trop bonnes pour des nonnes. Allez, venez vous confesser près de moi, mes sœurs, que je vous fasse. Qu'est-ce qu'il dit? Non, rien, c'est qu'il y a un résident comme vous. Ah, j'ai une blague. Est-ce que vous savez pourquoi les Anglais n'aiment pas les grenouilles? Bah non, parce que les grenouilles font le tétard. Les grenouilles. Bah oui, les grenouilles. The duck. Oh, do you say duck in French? Oh yes, vous parlerez du canard. Non, je parle pas du canard, non, mais j'ai pas vraiment une gueule de canard non plus. Mais aide-moi donc, toi, avec tes blagues débiles. Prenette. Oh yes, frog, grenouille, mais on n'a pas compris le tétard. Oui, non, c'est pas grave, sinon ça va être compliqué. Mais si, le tétard, c'est la larve de la grenouille. À ne pas confondre avec le thé que l'on boit, surtout chez vous en Angleterre. Boire le tétard. Vous boivez la grenouille? Mais c'est quand même pourtant simple. Le tétard, le petit grenouille. Boire le tétard. Oh yes, j'ai compris. C'est comme dans la film que j'ai vu chez vous, avec l'alcool fort et le grenouille. Le bronzé pour la ski. Mais non, attendez. Non, mais c'est pas grave, Kylian. Est-ce que vous voulez que je vous montre vos chambres, vos rooms? Oh yeah, merci, c'est super. Bon. Oh mais j'ai une autre blague. Non, c'est bon, merci, ça va. Mais si, elle est très courte. Est-ce que vous savez comment on dit en anglais? Ma belle-mère ne viendra pas souper ce soir. Alors, personne? On dit yes. Je n'ai pas tout compris. Oui, non, mais it's not grave, hein. Bon, suivez-moi. Ah, mais non, en parlant de manger, de souper, vous voulez peut-être casser la croûte. Oh, ben, et qu'est-ce que vous savez ce que font un vieux et une vieille avec... Non, stop. C'est bon. Non, parce que je peux vous faire à manger. Des œufs, eggs. Merci, non, nous ne l'avons pas très faim. Bon, ben, très bien, hein. Ben, je vais vous installer dans la chambre de Pépé, hein. Il y a l'abbé Pierre au mur. L'abbé Pierre? Oh, la belle pierre sur le mur! Oui, la belle pierre est sur le mur. Oh, super! Nous aimons la belle pierre sur le mur. Bon, il est un peu taché, hein, mais bon... Un peu taché? Bah oui, avec l'humidité, les champignons sont remontés dans le mur et du coup, c'est remonté jusqu'au portrait. Les champignons? Bah oui, les champignons qu'on mange en omelette! Dans la forêt, là, dans la terre. Mais comment qu'on peut leur expliquer? Mangez-moi. Non, mais... Ah, bah si, je sais. Les champignons. Oh,
pas tout à fait les mêmes quand même. Oui, bah, c'est pas grave. Bon, allez, suivez-moi, commode. Oh my god. Ah, Frédéric, ça y est, tu as trouvé. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, mais vous avez un truc sur la tête. Eh bien oui, on appelle ça une casquette. Ouais, je comprends, ouais, mais vous avez un ruban sur la casquette. Oh merde. Ah oui, ah ben oui, non mais ça c'est rien. Ça c'est les rubans, parce que, qui piègent les mouches, parce que j'en mets dans la cuisine, parce que sinon... Mais et vous êtes qui, vous, en fait? Oh, excuse, mais je suis Kylian. Et en quoi? Les plantes, mais surtout, les devices. Oh, mon Edelweiss. Mais vous êtes bien curieux, hein? Oui, ou non, parce que, oui, je suis curieux, parce que, figure-toi, il y a un inspecteur qui doit venir contrôler au chalet. Alors bon, comme je suis un gros malin, eh bien, je questionne les nouveaux pour assurer le coup. Non, en fait, ça, c'est des rubans que je mets dans la cuisine, parce que sinon, les mouches, elles pondent sur mes fromages, ça fait plein de petits points noirs, alors jusque-là, tout va bien, c'est pas trop grave encore. Mais après, eh bien, il y en a, ils virent au vert. Et les verts, eh bien, il faut pas les manger, hein. Oh, mais c'est chelou, ton truc, hein. Ah, ben non, c'est catch de mouches. Ah, je vois, tu captes pas trop le verlan, toi. Bon, oui, c'est pas grave. Avec mon chien mouton. Bon, c'est vrai, on a déconné un peu quand on a appelé mon chien mouton. Parce que maintenant, quand je pars avec mes brebis, et j'appelle mon chien mouton, mouton, mouton. Eh bien, les gens s'en foutent de ma gueule. Mais bon, le chien, il est habitué à son nom, on va pas le changer maintenant, tu comprends? Mais c'est trop cool, vous devez voir beaucoup de plantes alors. Ah, mais oui, ben, chez nous, la montagne, c'est un peu le royaume des plantes, forcément. Vous aimez les plantes, vous? Si, je les aime, mais je les adore, je les vénère, je les touche, je les sens, je les protège. Je pourrais même faire l'amour avec elles, un peu comme vous avec vos brebis. Oui, alors attention. Non, quand moi, contrairement à ce qui se dit, je ne fais rien avec mes brebis, hein. C'est pas du tout mon truc, hein. Bon, venez, on va aller voir mon troupeau, hein. Oh, mais, j'ai une blague sur les moutons. Est-ce que vous savez pourquoi les moutons se brossent les dents? Eh mais, j'ai jamais vu un mouton qui se brosse les dents, moi. C'est une blague. Ah, une blague. Mais non, je ne sais pas, alors. Pour garder la laine fraîche. Eh mais, on voit que t'as jamais senti la laine d'un mouton, toi, hein. Mais non, je te parle de la laine qu'ils ont sur eux. Ah d'accord, eh bien Guillaume, t'es pas simple à comprendre, mon garçon, toi, hein. Bon allez, viens, on y va, hein. Oh la vache, mais il a un vrai ramard dans la tête, ce mec, quoi. Frédéric, nous pouvons prendre des cours de la ski demain matinée? Yes, ben, with Grégoire, un beau mâle de 25 ans. Un beau mâle? Yes, ben, un beau garçon, quoi, a beautiful boy. Oh, superbe. Nous, on veut sur le internet que tu as un spa. Yes, ben, you are assis dessus, quoi. That's a joke. What? Vous avez une blague, a joke. Oh non, mais je ne joke pas du tout, non. Par contre, allez pas toucher au bouton rouge, hein, parce que sinon... Red button, no touch, hein. That's a French spa. Frédéric. Salut mes jolies. Je me présente, je m'appelle Rudy. Et je suis moniteur de ski, Et je saurais vous faire glisser sur les courbes de l'envie, Je n'ai pas tout compris. Oui, alors Ingrid, Kelly, je vous présente Rudy, un moniteur de ski. Et Grégoire, votre moniteur pour demain matin. C'est qui va se les taper les deux notes? C'est Grégoire. Superbe, beau moniteur. Ouais, mais c'est bon, hein. Il pourra pas donner des cours à tout le monde, hein. Il a déjà les bonnes sœurs anglaises à gérer pour demain. Bah justement, Rudy, les sœurs anglaises ne sont pas nonnes. Elles sont jeunes, jolies, elles aiment bien les garçons. Ah oui, et d'où tu tiens ces informations, toi, là? Bah, je te présente les sœurs Ballantines. Je suis Kelly et elle est Ingrid Ballantines. Enchantée! Oh, ça, c'est trop bon, ça. Eh, t'es la fille qu'ils croyaient prendre, hein.
Et tu peux nous faire visite le village? Oui, mais bon, si elle connaît très bien le village, hein. Tu peux comme moi avec moi, comme moi, comme moi, comme moi, comme moi. Désolée, mais je préfère avec ma moniteur pour apprendre à connaître. Rudy, tu remercieras ta maman pour l'échange des cours, hein, ok? comment se dire? Frédéric, elle est pas évidente. Salut, hein. Je vous présente Kylian Pignon, le roi de la vanne. J'ai un joli bouffon pour que les gens ricanent, mais j'ai une addiction pour les belles plantes afghanes. Bah moi c'est Rudy tout court, hein. Ah, j'étais rendu avec Patrice rendu voir son cheptel de mouton. Ah, mais c'est trop, trop bien compliqué. Alors, un bel vol à la carte. Je l'ai. Non, elle est trop grande cette carte. Elle ne rentrera jamais. Je sais, je vais la découper. Des ciseaux, des ciseaux, des ciseaux. Oh, et des ciseaux. Et voilà. Et on découpe. La puce. Et voilà. Et voilà. J'ai plus qu'à mettre la puce dans la caméra. Bah, pourquoi est-ce qu'elle ne tient pas? Oh, je sais, oh, je vais la coller. La colle, la colle. Oh. Oh, la colle. On fait un petit point et il ne reste plus qu'à coller la puce dans la caméra et je la referme en entier et voilà. Oh là 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 là. Il faut tout faire soi-même dans ce métier, secrétaire et moniteur de ski. Où est-ce que j'en étais moi déjà? Bah tiens, pour une fois tu n'auras pas à tout faire soi-même. Je me suis occupé de la puce de la caméra. Oh bah ça c'est cool, c'est super sympa, merci mec hein. Ça c'est cool, tu me fais gagner du temps hein. Oh bah de rien, tu sais, quand on peut se rendre service. Oh, oh merde. Bah qu'est-ce qui t'arrive? Mais j'ai perdu mon sachet. Bah quel sachet? Bah mon sachet de plantes séchées. Bah ça te sert à quoi, sachet de plantes séchées? Bah, aromatiser mon thé, ma bouffe, tout quoi. C'est très bon pour la santé. D'accord, mais tu sais où tu l'as perdu? Bah non, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai plein d'autres là-haut, je vais aller en chercher. Ok, bah attends, bah moi je vais suivre aussi parce qu'il faut que j'aille dans ma chambre, j'ai des papiers à récupérer aussi, donc... Bah tu es de la famille. Oh bah tu sais, hein, c'est tout comme, hein. J'ai une chambre à l'année ici. Hein. C'est vrai, maman, un appartement qui est trop petit pour nous deux et... J'ai malheureusement perdu mon père. Oh mince! Oh bah tu l'as perdu où? Mais t'es bizarre toi quand même! T'es vraiment une histoire à toi toute seule, hein! Oh! Non, pas mon histoire! C'est l'histoire de deux belles qui se ramènent à l'école de ski du coin! Ouais, mais je me demande où il est, Kylian! J'étais en train de lui parler de mon chien, d'un mouton, et je me retourne, et tout d'un coup, ouf, et disparu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est n'importe quoi! Oh mais non! Oh mais non! Oh mais là ça va chier, hein! Là ça va chier, hein! Là je peux te dire que là, ça va chier sévère, hein! Là c'est quoi là? Oh 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 oh, là c'est... J'entends du bruit de là-haut, là! Mais c'est toi qui crie comme ça, gros malin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais regarde! Il y a un taré qui a découpé la carte bancaire de Frédéric! Mais qu'est-ce qui peut découper une carte bancaire? Eh bien regarde, quelqu'un a découpé la puce! Oh, c'est pas possible, la puce, la carte mémoire est là. Oh non, c'est pas... Kylian? Non mais attends, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Ben attends deux petites secondes, je crois qu'on va savoir tout de suite. Kylian? Ouais, grand, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu peux descendre deux secondes, s'il te plaît? Ouais, sûr. Est-ce que c'est toi qui as découpé la carte? Bah ouais. Mais ouais, mais t'es un taré ou quoi? Pourquoi t'as découpé la carte bancaire de Frédéric? Ah mais ça c'est une carte bancaire. Ah mais je pouvais pas savoir, moi j'en ai jamais eu ma vie. Mais je m'en fous moi de ta vie. Et pourquoi t'as découpé la carte? Bah et pour récupérer la puce et la mettre dans la caméra. De quoi? Non mais attends Patrice, il faut que je t'explique un petit peu l'histoire. En fait Frédéric m'a demandé de changer la carte mémoire de la caméra, je suis venu ici. Et puis entre temps, ben, j'ai eu l'appel. Alors ben, je suis parti répondre, mais Kylian, il a voulu me rendre service et il a dû confondre la puce et la carte mémoire, hein. Mais voilà, c'est ça. Non mais voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Non mais voilà, c'est ça. Non mais, et l'autre, il prend une carte bancaire. On parle de Frédéric, là, c'est la carte de Frédéric, putain. Et toi, tu la connais pas, mais moi, je la connais, ma femme, je te garantis que ça va chier. Hein. Il découpe la puce, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis voilà, c'est ça.
ça, remarque. Et putain, mais pourquoi tu n'aimes pas cette putain de puce maintenant? Mais parce que je l'ai collé, oh. Non. Si. Mais Kylian, on ne colle pas une puce. Bah, et comment tu fais, toi, si elle ne tient pas? Bah, il fallait m'attendre. Si elle tenait pas, c'est que c'était pas la bonne, et puis c'est tout. Oh, c'est pas possible. Mais je pouvais pas savoir. Oh non, non, mais lui, il est hors catégorie, hein. Lui, c'est le tour malais à lui tout seul, hein. Oh putain, il y a Frédéric qui arrive. Non, non, non. Bon, moi je planque à la carte, toi tu planques à la puce là-bas, et puis on dit que la caméra elle fonctionne. Hein. Mais comment est-ce que vous voulez qu'elle fonctionne si c'est pas la bonne puce? Mais c'est des conneries ça! On raconte des conneries pour se chauffer les miches! Oh ok! Les miches! Oh non mais. L'Alpe d'Huez, tu vois, mais pas avec 21 virages, hein, 28, 29, 30 virages, ouais! Bon, moi j'ai pris des miches de bois, il restait plus que ça! Les miches! Mais Patrice, qu'est-ce qui se passe? T'es tout blanc? Ça va pas? Si, tout va mieux. Enfin, tout va bien. Enfin, si, ça va bien, si. Eh, mais je te vois à côté de la caméra de surveillance. T'as changé la carte mémoire. Hein? Ah oui, mais là, on est tranquille. C'est reparti pour un petit moment, là. C'est bon. Et tu l'as bien coincé, par contre, hein, parce que la dernière fois, ça se mettait mal, hein. Excuse-moi, mais quand tu dis qu'elle se mettait mal, est-ce que tu veux dire par là qu'elle avait du jeu, hein? Ben oui. Oh, ben vous voyez, les gars, je vous l'avais dit. Mais pourquoi tu dis ça, Kylian? Mais pour rien. Il dit ça pour parler, mais il sait bien qu'à ce moment-là dans la partie, il a juste à fermer sa gueule, et puis c'est tout. Mais enfin, Patrice, mais ça va pas, calme-toi, qu'est-ce qui se passe de lui parler comme ça? Bah oui, pourquoi tu t'énerves? Non, mais c'est lui. Déjà, je l'ai perdu tout à l'heure, et il a l'art et la manière, il me fait faire des montées de lait, ce con. Non mais vous savez ce qu'on va faire, eh bien, pour détendre l'atmosphère, eh bien, on va prendre l'apéritif, hein, ça va faire du bien, ouais, ça va faire bonne idée. Tout le monde. Hein. Je vais mettre des oreillers aux anglaises et puis je reviens. Hein. Ouais c'est ça, assez des anglaises finalement. Ah, d'ailleurs Patrice, faudra penser à aller retirer de l'argent au distributeur avant qu'il ne déconne, hein, parce que l'année dernière c'était le bordel quand il y avait plein de monde. Avec la carte bancaire. Mais évidemment Kylian. Ça vient de faire la queue au guichet. Tout le monde se colle dans ces files d'attente. Là, c'est désagréable. La colle. Il est étrange, hein, comme garçon, quand même. Hein. Oui, mais le qualificatif est faible. Hein. Très, très faible. Hein. Bon, comme on est nombreux, Excuse-moi, Frédéric. Tu ne nous reconnais peut-être pas, mais c'est moi, ta cousine. Oh, ma cousine Tony Schiffer. Mais comme t'as changé. Mais je t'aurais pas reconnu, hein. Ben dis-moi, vous arrivez-t-on? Ben et encore, on se l'a arrivé hier soir si un petit malin qu'on a pris en stop n'avait pas fait tomber son sachet d'herbe dans ma voiture. La police du péage est tombée dessus et nous a bloqués pendant 10 heures. Autant te dire qu'elle en avait ras-le-bol, ta cousine Claudia Schiffer. Oh la grosse claque. Vous allez peut-être pouvoir m'aider un peu à gérer l'inspecteur, quitte à lui mentir un peu. J'ai 2-3 normes à corriger dans le chalet. Quel type de normes? Bah, au niveau électrique, on joue un peu à l'ancienne, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a un court-circuit dans le spa. Hein. Allez pas toucher au bouton rouge, hein. Comme j'ai dit aux Anglaises, red button, no touch. Ah. Mais bon, après, bah, j'ai les toilettes qui touchent la cuisine, puis normalement, j'ai pas le droit. Mais bon, il y en a 2 autres en haut. Bon, 2-3 petits détails qu'il faudra éviter quand l'inspecteur sera là. T'inquiète pas, Frédéric, tu peux nous faire confiance. Bon, bah tiens, Rudy, avance-le, ma cousine. Mais pourquoi vous avez fait ça à votre visage? Pardon? Bah non, mais c'est pas Claudia Schiffer, regarde, c'est pas Claudia Schiffer, non? Si, c'est ma cousine, Claude. Hein? Ta cousine, Claude? Oh, ne me dites pas que j'ai loupé une fausse. J'ai loupé une fausse Claudia Schiffer pour les Anglaises! Oh non! Les Anglaises, moi je préfère les Anglaises que. Mais parce que tu croyais que je parlais du mannequin Claudia Schiffer! Oh ben mon pauvre Rudy! Les Anglaises! Mais moi aussi, je vais m'enfuir du Valentine! Il y a un problème, Frédéric? Non, t'inquiète pas! Rudy est un peu simplé, mais c'est un vrai professionnel, hein! N'est-ce pas, Rudy, que t'es un vrai pro? Oui, enfin bon, je reste un petit jeune, hein, quand même, hein, un primeur, hein. Ah oui, alors nous, par contre, ce qu'on veut, c'est un moniteur de ski, pas un imprimeur. Ah oui, non, mais il veut dire un primeur de jeune, pas un primeur d'imprimé. Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins. J'ai été chasseur à alpin, donc le ski pour moi n'a plus aucun secret. Maintenant, ce que je voudrais, c'est des cours de snow.
Alors, les cours de slow, ça, je peux faire, hein, c'est pas un problème. Hein. Par contre, Hobby, hein, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais Hobby? Oui, parce que moi, je ne vous en tiendrai pas rien, mais je suis contre les chasseurs, parce que moi, j'adore les animaux. Non, je disais un chasseur alpin. Ah non, mais c'est pareil, hein, que ce soit des lapins ou des faisans. Eh ben moi, je n'aime pas ça. Il est hors piste, le mec, là. Ouh. Non, mais quand on vous parle de chasse... Mais laisse tomber, il a un peu bu. Ah, tu me rassures, il me semblait quand même que j'avais été... suffisamment clair. Ah bah oui, t'as été clair, hein, ah, oui. Hein. Mais honnêtement, de toi à moi, ça me dérange pas du tout que tu sois chasseur. Hein. Patrice aussi chasse le lapin. Et Julie et Claude, elles font du snow comme vous? Non. Moi, je suis adepte de raquettes. Non, mais je vous parle de la neige, des activités sur la neige. Hein. Parce qu'on ne peut pas faire de raquettes sur la neige, peut-être. Ah bah ça, c'est sûr que la balle, elle rebondit un petit peu moins bien sur la neige. Hein. Écoutez, on va peut-être aller mettre nos valises là-haut parce que je sens que la discussion va être longue. Non. Rien à lui dire ça. Louis, je peux t'appeler Louis. Ah bah, on est de la même famille, donc oui. Eh ben tu sais, moi aussi je fais ça. Mais j'arrive jamais à viser ces bandes de lapins. Ils sont trop rapides pour moi. Je sais pas comment tu fais, toi. Hein. Non. Je ne suis pas chasseur de lapins. En fait, je vais te réexpliquer. En fait, je m'habillais en blanc pour qu'on me confonde dans la neige. Ah oui, mais moi, je chasse pas l'hiver, alors... Mais putain, mais je te parle pas de chasser. Papa de pam-pam-pam, taillot, tulu. Non, papa de la chasse. J'étais chasseur à alpin. C'était mon métier. Ah, d'accord, mais... Ah bah oui, mais t'entends, Frédéric, il n'était pas chasseur par hobby, hein, et c'était son métier, carrément, hein. Bah oui. Et tu fais quoi maintenant dans la vie? Je suis responsable d'un abattoir de lapins. Ouais, t'es un vrai spécialiste du lapin, toi, hein. On va dire ça comme ça, ouais. On monte parce que là, sinon, ça va... Ah oui, mais on va prendre l'escalier, ici. On va mettre toutes nos affaires là-haut. Par ici. Excusez-moi, mais où sont les toilettes? Bah, dans la cuisine. Une petite porte entre le four et l'évier. Vous suivez les bouches? Mais non, je plaisante. Par contre, soyez pas surpris, hein. Il y a des rubans adhésifs un peu partout dans la cuisine. J'ai horreur de ces mouches qui pondent sur les fromages de Patrice. D'ailleurs, en parlant de ça... Je suis l'inspecteur Prout, Gaspard Prout. Je suis chargé de vérifier la conformité d'établissement. Ah oui, va falloir mentir, non? Excusez-moi, mais vous êtes inspecteur? Oui, alors ça, nous en avons déjà discuté tout à l'heure. Mais vous, monsieur, vous êtes... Hubert est un ami de la famille de la propriétaire. Il est prêtre. D'accord. Et petite question, qu'est-ce que vous faites avec un ruban adhésif sur l'épaule? Quel ruban adhésif? Le ruban sur son épaule? Une histoire incroyable. Figurez-vous que Hubert possède une odeur très particulière qui attire les mouches sur lui. Un peu comme les vaches l'été. Du coup, il met régulièrement un papier tue-mouche sur lui. N'est-ce pas, Hubert? Quoi? L'inspecteur parle de ce ruban que vous avez sur votre épaule. Il ne doit pas savoir qu'il vient de ma cuisine. D'accord, donc si je comprends bien, vous mettez un ruban adhésif sur l'épaule pour attraper les mouches que vous attirez avec votre odeur. Il a beau se rincer à l'eau la plus naturelle qui existe, mais rien n'y faire. Il pue la charogne. Oh. Oui, enfin... Ah oui, oui. C'est vrai que... Je sens comme une odeur qui me brûle les sinus, là. Vous êtes sûr que vous n'avez pas marché dans la merde? Ah, c'est à croire que votre eau n'est pas si bénite que ça, mon père. Mais c'est vous, Saint-Guyane. Vous venez d'où, là? Nous venons de la chambre de tir de Grégoire. La chambre de tir? Oui, c'est le nom que les Grégoire donnent à son chambre, les chambres. Il y a là plein de les chambres, tout en haut. Ah oui, il y a plein de les chambres en haut. Et Grégoire, il est dans son champ de tir. Ah, il doit être énergique. Qu'est-ce que énergique? Énergique, vif, excité, excited. Oh, excited? Non, pas vraiment. Il a beaucoup trop bu.
Il a vanté de son béquille, mais il s'est endormi dessus. Oui, il est prêtre. Oui, c'est ça. Vous êtes un vrai devin, vous. Moi, je mange beaucoup de melon. Parce que le melon, c'est bon, le melon. Et vous savez pourquoi c'est bon, le melon? Non. Oh, zut, je m'en souviens plus. Ah si, c'est très bon pour la mémoire, ça protège de la maladie d'Alzheimer. Alors, petit conseil, n'hésitez surtout pas à en prendre, puis la bonne dose. Oh mince, qu'est-ce que je cherchais? Oh, mais c'est dingue. Oh là là. Oh, j'aurais dû aller mouiller avec elle. Ah ben non, c'est impossible, j'ai bidouillé tout le système électrique du chalet. Ben non, parce que, si vous voulez, j'avais un bouton qui déconnait sur le spa, et ça faisait disjoncter tout le temps. Alors les clients se plaignaient, mais c'est normal, c'était chiant. Alors le problème, c'est que ce bouton, je peux pas le démonter. Alors bon, on dit aux clients qu'il faut pas y toucher, c'est tout, hein. Mais pourquoi il ne faut pas y toucher? Hein? Oh ben sinon, tu prends du doigt savant dans la tronche, hein. Ah oui, quand même, ah oui. Ah oui, oui. Et quand t'as les fesses dans l'eau, c'est embêtant quand même, hein. Ah oui, vous savez, il y en a qui ont essayé et qui ont eu des problèmes. Regardez Claude François qui chantait « Écoute, le spa est près de toi, surtout il ne faut pas toucher à ce bouton-là. Hein » Non mais moi, je connais pas trop le répertoire de Frédéric François, alors... Allez, moi je connais pas son cousin, hein. Mais donc, vous êtes vous l'électricien de la station? Ah non, ah non, mais non, moi je suis le mari de la patronne, on m'appelle le gros malin. Non, non, moi je suis le beurre de brebis. Oh ben s'il y avait que des électriciens comme moi, hein, la moitié de la planète, elle serait un peu. Hein. Et vous êtes qui? Ah ben écoutez, moi je me présente. Je croyais que vous aviez fait en sorte qu'elle arrête ses conneries. Si ça continue, elle va me le brûler, ce chalet. Mais non, Frédéric, ne vous inquiétez pas. Je viens de lui donner ses médicaments. Je suis sûr que ça va déjà beaucoup mieux. Maman! Et qu'il puisse se laver derrière, hein, ça empeste l'étage. Et c'est ce qu'elle vient de faire. Et vous allez voir, elle va récupérer toutes ses facultés. On ne doit pas avoir la même notion du mot faculté. Hein. J'ai un problème, Robert. Hubert, maman. Moi, c'est... Ma culotte, j'ai perdu ma culotte. Mais non. Votre culotte est sur votre toupe. Alors faire les étages, oui. Hé, ma poule, c'est bon, j'ai viré les fromages de la cuisine, comme ça, si l'autre con y passe, ben on est tranquille, hein. Dites-moi, quelqu'un vous inquiète avec vos fromages? Oui, hein? Non, mais en fait, on a un voleur de fromage qui s'amuse à nous visiter régulièrement. N'est-ce pas, gros malin, hein, monsieur l'inspecteur? Monsieur l'inspecteur? Oui, tout à fait, monsieur l'électricien. Mais dites-moi, c'est bizarre, c'est quoi ces petits points noirs, là, sur vos fromages? Ça c'est parce que je mets du poivre. Ah, du poivre, d'accord. Mais par contre, ce qui m'intrigue, c'est tous vos fromages sont blancs. Enfin, il y en a deux qui sont bizarres. Et c'est quoi ces petits fromages tout verts? Mais comment vous faites ça? Ça c'est parce que je mets de l'avocat. De l'avocat? Vous mettez de l'avocat dans vos fromages? Eh ben oui. Déception, coupe-lui-en un petit bout. Un petit bout alors, hein. Juste pour goûter, hein. Je vous mets celui-ci, il est un peu plus frais, hein. Oh putain. Désolé pour votre nappe. Oui, c'est ce que je vois, oui. Eh bien, bon appétit, hein. Et bon courage, surtout. Oh. Oh, ça va. Ça déménage, hein. Mais c'est quand même incroyable ce goût-là. Hein? On a l'impression de manger du champignon. Oh les vaches! Ça, je vous avais prévenu, hein? Ouais. Mais hein, ça colle bien aux dents en plus, hein? Oh là là! Ah, de ce côté aussi, ça déménage. Hein. Ah ben, je vous ai prévenu, hein? Ça reste un produit assez costaud, hein? Oui.
Mais on ne le sent pas tant que ça. Quoi donc? De l'avocat. Oui, mais ça c'est normal parce que j'en mets pas trop pour pas gâcher le goût de brouillard. Vous n'avez pas un peu d'eau, non? Non, mais vous avez raison, il faut rester au plus naturel. Oui, voilà. Hein? Allez, on va monter à l'étage. Oui, hein? Je pense que les escaliers. On va continuer la visite. Ouais. Il n'y a pas de temps. Oui. C'est un bon cru pourtant. Oui, c'est sûr. C'est chink. Fricain. Dis, il n'y a pas internet dans le bled? Un internet? Je n'en ai pas vu. Mais Patrice m'a dit qu'il y avait un Intermarché. Non, tu ne comprends pas. Je te parle du navigateur internet. Jamais entendu parler. Il a découvert quoi comme continent? Kylian, le roi de la vanne. Je comprends mieux. Ne me dis pas que tu n'as jamais surfé de ta vie. Oh mais si, mais jamais sur la neige. J'ai fait Osgore une fois et j'en ai perdu mes palmes. Mais tu connais quand même bien ce fameux serveur qui te lance un cookie ou deux. Ah oui, mais je n'en prends jamais. Je n'aime pas les petites pépites de chocolat dessus. Tu connais comme... Je te l'ai dit, je suis à la recherche d'une plante sacrée. Je suis à la recherche un peu comme un petit veau est à la recherche de la mamelle de sa vache pour téter. Ou bien, et comme un tracteur est à la recherche de son gasoil. Allez, tiens, ma petite. Mais après ça, on va chercher l'Edelweiss. L'Edelweiss. Tu voudrais venir avec moi? Non. Non. Tu vois, moi, contrairement à toi, je suis plutôt une fille de la ville. Genre geek et nouvelle technologie. Le jour où tu me verras dans la nature à la recherche d'une plante, c'est que je n'aurai pas toute ma tête, hein. Oh, je comprends, ouais. Tu sais, j'étais pareil que toi à ton âge. Puis un jour, j'ai fait une sieste le long d'un arbre. Et là, la nature m'a parlé. Elle m'a dit, va, jeune Kylian, pars à la recherche de la paix et la sérénité, telle cette petite biche qui sautille de jonquille en jonquille. Ou tel ce pingouin qui glisse sur la banquise à la recherche de son petit pingouin. Oh, oh, mais en parlant de nature, je te laisse, faut que j'aille aux toilettes. Ça va, monsieur? Oh, coussi coussa, j'ai un mal de bide atroce. Vous voulez que je vous prépare un thé? Les plantes ne pourront que vous soulager, hein. Oh, oui, si vous pensez que ça peut me soulager, je veux bien, oui. Je vais vous préparer ça. Ah oui, parce que... Oh, je sens que ça gaze, là. Je sais pas si c'est en rapport avec mon prénom, mais je sens que le gaz part. Kylian! Oh là là, j'ai l'impression que je vais accoucher. Qu'est-ce que c'est que ce marc de café? Il y a du marc de café partout. J'ai ma salle. Ah, oh, oui. Vous souffrez, hein? Oh oui, il faut que je fasse le chien. Mais si c'est possible, Jean-Jacques Goldman, il l'a dit, il a fait un bébé tout seul. Mais je crois que je vais plus accoucher d'un colombin de 4,5 kg. Imaginez comment je vais l'appeler en plus, crotte, caca, pour le faire part. Oh, bonjour, je m'appelle Caca Prout, je me sens bien, tu m'étonnes, 4,5 kg. Mon papa va bien, sauf qu'il il pourra pas s'asseoir pendant 3 semaines. Oh, j'en peux plus. Je vous mets la dose, hein. Oh oui, s'il vous plaît. J'ai pas de cuillère, bon. Tenez. Et si vous voulez que ça fasse effet, faut l'avaler d'un trait, hein. Merci.
C'est une blague. C'est l'histoire d'une tasse et d'un cendrier qui se disputent devant un ascenseur. La tasse dit « Je veux monter » et le cendrier dit « Et moi, je veux descendre. » Monter et descendre dans le cendrier. C'est une blague. Oh, il me fait une blague. Il veut que je devienne son partenaire. Ah oui, il faut que je fasse la mouche. Il n'y a pas que le bide de malade. Je commence à me sentir toute bizarre. Oh, ça y est, on est partenaire de jeu maintenant. Par contre, ne dites pas à la jeune fille, je ne suis pas sûr qu'on ait le droit à plusieurs partenaires. Mais bon, s'il m'en faut un, autant en avoir un bon. Comme vous, hein. Oh, d'ailleurs, moi aussi j'ai une blague. Vous savez, alors ces deux mouches, elles se promènent dans la rue, elles sont... Voilà, elles discutent beaucoup. Bon, c'est deux femmes, hein. Avec leur sac à main. Tout d'un coup, elles passent devant un bourdon. Allez, le pli. Tout à fait. Elle est rigolote, hein? Ça a l'air drôle. C'est sûr, si vous ne parlez pas la mouche, vous ne pouvez pas la comprendre. Hein. C'est ça. Allez, plus sec. Hein. Oh, les salauds! Ah mais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh mais ça c'est un virus. Un virus. Oh non, ça c'est un verre. Un lombric si vous préférez. Ça change de la mouche. Les toilettes. Par ici mon brave. Allez reprendre les chiottes. Oh non. Oh mais il ne fallait pas l'envoyer dans ces toilettes. Pourquoi? Petite, mais tu te fous de ma gueule, hein? Non, pas du tout. Je parle pas du tout comme ça, quoi. Un peu, quoi. Enfin bon, bref, il ne fallait pas l'envoyer dans ses toilettes. C'est un inspecteur. Et à mon avis, il va voir tous les rubans papier de mouche. Et Frédéric va avoir des problèmes. Crainte de pique. Un inspecteur qui fait la douche de mouche, hein. Ouais, j'avoue, c'est chelou son truc. Hein. Il a bu quoi comme thé, hein? Comme nous. Oh, bah ben, la vache, ben elle aussi, elle est arrivée en Afghanistan, hein. Comme nous. Oh, mais c'est quoi ce délire? Enfin bon, il faut avouer qu'elle déchire cette bœuf. Bon ben, allez la mettre. Oh, la brebis. La brebis? Eh ben oui, et toi tu dis oh la vache, mais moi je suis l'éleveur de brebis, je dis oh la brebis, c'est tout. Oh, eh ben c'est deux vaches qui se font tirer le portrait chez le photographe. Attention mesdames, ne bougeons plus. La bouse. Non mais sinon t'as bien compris qu'il se passe quelque chose de grave ici quand même. Oh mais non, mais t'inquiète pas, chantage à l'inspecteur. Pas folle la loutre. C'est juste le coup de décoller la puce. Non mais comment t'arrives à faire ça, toi? À faire quoi? Mais t'as bien compris que la puce de la carte bancaire de Frédéric, elle prend pas de vidéo quand même. Bah, et pourquoi est-ce que tu ne la changes pas? Mais parce que tu l'as collée en douille. Elle est morte, ma caméra, maintenant. Oh, merde. Mais on va pas pouvoir faire de chantage. Oh non mais... Moi je laisse tomber, c'est... Lui c'est l'Himalaya carrément, hein. Pire qu'en catégorie, hein. Ah, ah. Tu l'as pas vu? Bon allez, eh ben moi, je vais aller faire un petit tour dehors, histoire de prendre l'air. Je peux venir avec toi? Moi, je croyais que tu n'aimais pas la nature. Oui, mais là tu vois, Kylian, je me sens sur une autre planète. Oh. Je ne suis plus la Julie que tu connais, oh non. J'ai au fond de moi, au diable, les nouvelles technologies et à la pureté de la nature qui m'attire.
Je suis la montagne sur sa fleur, le bateau sur son skipper, le lac sur son saumon, le désert sur la fille afghane. Oh, la vache, ben là, elle est bien arrivée à destination, moi. Destination ailleurs. Bon, ben allez, ben couvre-toi et on y va. Non, mais ça ne va pas, Kylian. Hein? Couvrir serait tricher avec elle. Avec qui, ma fille? Avec la nature, pardi. Je veux que mon corps caresse toute sa pureté et sa beauté. Oh, mon Dieu, mon Dieu! Elle va finir gelée, la petite! Partons, Kylian. Partons, voler sur les montagnes sacrées. Ok, on s'en va s'envoler. On va y faire. Est-ce que vous voudriez bien nous ouvrir la porte, s'il vous plaît? Petite, oh là là, mon Dieu, protège-la de la démence et fais que calme et sérénité reviennent au sein de ce chalet. Mon petit lapin s'est caché dans le jardin. Cherchez-moi, coucou, coucou. Je suis caché sous un chou. Cherchez-moi, coucou, coucou. Je suis caché sous un chou. Mais il est con, ce lapin. Remuant son nez, il se moque du fermier. Cherchez-moi, coucou, coucou. Je suis caché sous un chou. Cherchez-moi, coucou, coucou. Je suis caché sous un chou. Et par contre, et s'il y a des chasseurs dans la salle, je suis pas un vrai lapin. Et le pire, vous m'avez drogué. Ah, vous êtes bien foutu de moi avec le jeu imite la mouche, là. Mais quand je pense que j'ai fait la mouche autour du maire qui n'a rien compris, je me suis fait passer pour un con. Oh, c'est certain, mon fils. Un gros con. Ah, je peux vous dire que mon rapport va faire des étincelles. Hein. Ça va cliniquer partout. Le plan, Las Vegas, ça vit tout seul. Oh, ben je vois que le fromage périmé n'est pas tout à fait digéré, hein. Bon, c'est bon, vous avez fini votre chiasse. Non, parce que figurez-vous que j'ai ici une caméra de surveillance qui vous a filmé tout à l'heure en train de mater les Anglaises dans le spa en petite tenue, en vous tripotant la nouille. Ce serait quand même dommage que votre directeur reçoive une vidéo compromettante. À moins que vous n'allégiez votre rapport. Bah écoutez, ce que je vous propose... Montrez-moi cette vidéo et nous rédigerons le rapport ensemble. Patrice, récupère-moi la carte mémoire. Oui, alors, c'est-à-dire que, tu sais, tout à l'heure, tu avais demandé à Rudy de changer la carte. En fait, j'ai commencé à changer la carte, mais... Mais il a été aidé par quelqu'un, en fait. Par quelqu'un qui savait pas trop comment faire, et... Mais attention, hein, plein de bonne volonté, hein. Enfin, un petit peu, ça fait quand même, hein. Vous avez fini de me cuisiner ou vous me servez pas de résistance? Non, mais vas-y, toi, parce que là, Non, non, mais toi, vas-y, parce que moi, je peux pas. En fait, c'est moi. C'est toi, quoi? En fait, j'ai récupéré l'impuce de ta carte bancaire... pour la mettre dans la caméra. Oh, oh bah Kylian, le roi de la vanne. Oh, oh, les vannes, celle-là. Oh, bah les gars, rigolez, c'est une blague. Non, c'est
pas une blague. Non, il a pas fait ça. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi il ne vient pas? Bah parce que je l'ai collé. Non. Si. Mais arrête de rire, tu viens de condamner mon chalet. Bon, moi je remonte. On nous pousse à devenir des bandits, à travailler au noir, à cacher les défauts, à falsifier les devis, les factures pour éviter d'être surtaxé. Et tout ça, c'est le 21e siècle. Et ça n'aura conduit qu'à ma perte. Mais enfin, Valériane, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, Frédéric, il y a des gens méchants. Mais moi, je suis là et jamais je te ferai de mal. Ah ben, je comprends mieux maintenant. Oublie-toi, je suis tout. Elle est tellement dans son monde qu'elle pousse tout le monde à oublier qui ils sont et ce qu'ils ont à vivre. Regarde-moi. En un après-midi, je n'ai pensé qu'à réparer ces conneries alors que j'avais un inspecteur chez moi. Ce pauvre Hubert ne doit vivre que pour sa mère. À la défendre chaque jour de ses bêtises. Finalement, tu n'as pas passé ton après-midi à réparer ces conneries. Tu t'es juste battu contre la maladie. C'est exactement ça. Oublie-toi, je suis tout. Mais attends, pourquoi tu laisses ce salaud d'inspecteur se baigner dans ton spa? Bah qu'est-ce que tu veux que ça change? Au meilleur des cas, il attrapera un rhume, ce sera toujours ça de gagner. Oh. Tu as toujours été trop gentille, ma Frédéric. Ah bah je préfère être trop gentille que trop conne, hein. C'est quand même plus facile à vivre psychologiquement. Oui, si on veut, ouais. Mais dis-moi, tu peux me passer ma serviette qui est dans le public, s'il te plaît? Tu peux me donner la serviette, s'il te plaît? Comment tu t'appelles? Valentin. J'aime pas ton prénom, Valentin. Est-ce que tu aimes le melon, Valentin? Oui. Je n'ai jamais confiance en cette bonne femme. Mais qu'est-ce que je fais avec cette serviette? Comment tu t'appelles? Ah non, c'est terminé les claques, moi j'en veux plus, hein. Oh, je t'ai fait peur. Mais t'inquiète pas, hein. Tu sais, je sais maîtriser mes mains. Ah non! Ça vous aide, hein? Recherchons Monsieur Trompette Hubert. Oh mais oui. Pour abus de faiblesse sur la personne Trompette Valériane. Oh mais oui. Cet individu aurait fait retirer 250 000 euros à des fins personnelles. Mais putain, c'est une sacrée carte bancaire quand même. Sachant que sa mère est incapable de prendre des décisions. En même temps, c'était mon argent. Et je vais pouvoir t'aider dans ta rénovation de chalet, ma petite Marguerite. Ah ben, on pourrait peut-être refaire l'électricité, par exemple. Oui, c'est vrai. Non, moi, c'est Frédéric, hein, Valériane. Mais c'est pas grave. Mais dire que tout le monde vous prenait pour une folle, quand même, et moi, la première, hein. Vous m'en avez quand même fait voir des vertes et des pas mûres. Mais dites, vous l'avez mis où, l'argent? J'ai entendu Hubert dire à un complice au téléphone qu'il fallait blanchir l'argent. Alors du coup, j'ai mis les billets à tourner dans ta machine à laver.